Oh là là. Salut les amis, c'est Lo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se trouve pour une toute nouvelle vidéo les amis. Qui dit été, dit vacances, dit soleil, dit nouvelle moto. Aujourd'hui les amis, on se trouve pour la présentation d'une nouvelle moto, la petite KTM que vous avez vue cet hiver. Elle a pris un petit peu de temps, elle est revenue, là elle est toute pimpante, vous allez voir ça. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on est bientôt 200 000 abonnés les amis. Je vous sors promis la moto cet été. Il y a beaucoup de complications, j'attends les pièces de la moto peintes pour vous la montrer parce que j'ai pas envie de vous montrer une R7 toute classique. Vous verrez bien ça très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo les amis, 2500 pouces bleus, cette moto je vous l'offre. Bah oui, vous savez, en ce moment on a offert la derby, on va remettre le tapis, mais avec celle-là, mais de manière différente et vous allez comprendre pourquoi. Je vous parle rapidement du sponsor de cette vidéo et on y va, on présente ça de suite. Qui est autre que Car Vertical les amis? Car Vertical, ça vous permet de faire quoi? De vérifier votre moto ou votre voiture directement grâce à la plaque d'immatriculation ou le numéro de châssis du véhicule. On se retrouve sur l'application, je vous la mets juste ici. Donc là aujourd'hui on vérifie une MT-09 pour pouvoir voir si le kilométrage a été falsifié, si le véhicule a été volé. En l'occurrence, il n'y a pas de vol pour le véhicule, donc il n'y a pas de souci. Au niveau du relevé kilométrique, vous voyez tout simplement que le véhicule a un relevé kilométrique clean. T'as les 7 relevés, impeccable, ça, il n'y a pas de défaut sur ça. Tu vois directement que sur le statut juridique du véhicule, il n'y a pas été épave, pas été exporté, donc ça, c'est nickel. Tu vois directement qu'au niveau des dommages, là, il y a un petit souci de relevé de dommages. Donc si t'as le coût des réparations estimé, tu vas les avoir dans le rapport Car Vertical. Là, ils ne sont pas présents, mais tu vois que le véhicule a tapé 2 fois aux États-Unis. Chronologie de ton véhicule, que ça correspond bien au bon véhicule, donc la MT7 de 2018, la MT09 de 2018. Et au niveau des dommages, tu vois que ça a tapé aux États-Unis. Et ensuite, le véhicule a été vendu aux États-Unis plusieurs fois, donc plusieurs propriétaires, ça faut bien demander un historique complet. Pour arriver en France, donc maintenant, ce véhicule est sur le marché français. N'hésitez pas à bénéficier de mon code promo Léonade, vous avez moins 20% sur vos rapports. S'ils ne sont pas complets, Car Vertical vous rembourse votre rapport et vous refournit un crédit pour passer un second véhicule. Salut les amis, ciao. Aujourd'hui, les amis, regardez ce qu'on vous a ramené. Lucas, il a bien charbonné, on nous a sorti les amis le 65SX. Du coup les amis, comme vous l'avez vu au plan, la décoration a été posée. Kit déco de chez Backyard les amis. Vous pouvez retrouver leur site internet en description si vous voulez faire les mêmes décos sur le véhicule. 65SX pour ceux qui ne connaissent pas, de 2008. Je vais vous la représenter rapidement. Venez voir au niveau du moteur, passez plutôt de l'autre côté je pense pour voir ça. Elle est équipée cette moto, c'est un 65SX qui marche comme un 2,5. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Elle est tout simplement équipée d'une culasse VHM que vous voyez juste. Ah, le moteur est chaud, on a roulé un petit peu avant, le moteur est chaud. Culasse VHM et regarde ici, ligne pro circuit tout simplement, comme sur une grosse bécane quoi. Franchement, ça marche super fort au niveau des chevaux. Je ne saurais plus du tout vous dire combien ça sort. Si jamais vous êtes détenteur d'une 65SX, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Un truc de fou de parler quand il fait chaud, c'est horrible. Regardez-moi ça du coup, le beau kit déco, je vous le présente rapidement. Regardez, il est magnifique. Holographique avec tous les sponsors, regarde. Les amis, n'hésitez pas, chez tous ces partenaires, vous avez des codes promo, n'hésitez pas à en profiter. Chez tous les partenaires, vous avez les codes promo. Car Vertical, 50 Factory, Maxes, Roof, vous avez tout qui est en description, n'hésitez pas. Et puis voilà quoi, faites-vous plaisir. Sinon du coup, regarde un petit peu la ligne, elle est restée dans son jus. On l'a pas repimpé, elle est restée dans le jus un petit peu marron noir. Au niveau de la plaque phare, tu vois, si tu te rapproches, il y a un petit peu de loupé. Voilà, mais sinon, franchement, ça rend super beau. On est sur un kit déco 100% holographique. Au soleil, c'est une dinguerie. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette moto, les amis? La 65SX, dites-vous, c'est des motos qui sont faites pour les enfants, on va dire entre 6 et 8 ans, même avant en fait, parce qu'après, tu as le 50SX, mais sinon, c'est 50, 65, 85 pour les enfants. Franchement, ça marche super fort. Vous allez le voir à la vidéo, on va faire un test. Mais voilà, je tenais à vous la présenter parce que du coup, elle avait été présentée déjà sur la chaîne et franchement, il y avait eu des retours super sympas sur la bécane. Vous pouvez voir aussi qu'elle a changé de couleur, de cadre. On est passé sur un cadre noir, peinture époxy. Franchement, ça rend super bien. Bon, si on voulait aller dans le détail, il fallait faire le petit bras oscillant et je pense cette pièce-là. Mais bon, par manque de temps, on ne va pas le faire. Mais bon, voilà, ça reste une moto super jolie. J'ai envie de vous faire écouter le bruit. On va démarrer ça de suite et ensuite, on va aller l'essayer sur un petit terrain. Je regarde rapidement. Je ne sais pas s'il y en a qui reconnaissent. On est déjà venu sur ce terrain. Il a été refait d'ailleurs. Je ne sais pas qui l'entretient. Il a été refait. Il y a de nouvelles bosses. On va les faire avec le 65 à la GoPro. Et franchement, dites-moi ce que vous en pensez parce que c'est une moto qui est surprenante. Franchement, c'est le mot. Elle est super légère. Bon, après, pour des gens qui sont un petit peu grands comme nous, c'est pas des motos faites pour. Mais pour un enfant, il peut se traumatiser, mais fois 1000. Alors, viens voir de ce côté. Je vais vous montrer pour l'essence parce que c'est pas un robinet classique. C'est vraiment, regarde, tu viens, hop, tu dévisses. Hop, jusqu'en butée et là, bah, t'as ton essence qui est tout simplement ouvert. On va faire un petit démarrage du seigneur, le petit cric. Hop, hop, hop. Là, tu vois, wheeling un petit peu. Premier coup de cric. Et franchement, les amis,
Dites-vous qu'elle ne fait même plus de bruit, la laine de roche a été changée, tout a été refait sur la moto. Il y a un piston qui est tout neuf qu'on n'a même pas monté parce que celui-ci, quand on l'a démonté, il était neuf. Donc voilà, on ne l'a pas démonté. Mais sinon, regardez un petit peu l'engin de guerre. Et franchement, ça marche de ouf. C'est une bécane, vous allez voir. Ça tient le ralenti, même pas besoin de couper, stresser ni rien. Tu veux la couper, hop, voilà, ça marche du tonnerre. Elle était super bien refaite. Oh, vous allez voir ça, boîte 5 si je dis pas de bêtises. Boîte 6, j'avais carrément oublié. Boîte 6, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Embrayage hydraulique qui a été refait. Et voilà, frein. Frein arrière, ouais. Bah, frein avant, là c'est le frein avant. Frein arrière qui a été refait, peinture du cadre, révision moteur, tout ce qui est, les niveaux, tout ça. Enfin voilà, une petite... Petite révision des 1000 km, quoi, c'est plutôt sympathique. On a remis le guidon pour l'enfant, parce que c'est une moto d'enfant, du coup avec le guidon ça passait pas trop de galère. Enfin voilà, bref, c'est très bien comme ça. Du coup on a juste des poignées pas adaptées au guidon. Mais ça c'était un petit peu une galère à trouver des poignées enfants. Du coup bah, comme on avait cela, on a mis celle-là. Écoute, on va aller faire un petit tour. Je vais faire un petit passage comme ça avec le micro là. Et après tu prends le relais avec la GoPro pour aller fumer tard. Attendez, on va sortir du support. Support naturel, support... Non, support naturel, support vegan. Hop. Petit support naturel, toujours très important. Oh là là, oh là là. Bon, vous voyez que c'est une moto pour les adultes. Hop. Mais en vrai, on est à l'aise, mais comment ça marche? Ah bon, là, on va souder le piston. Ah, j'ai perdu une pièce. Filmez mon pied. Ah. Oh, shit. On répare ça, on revient de suite. Ça va ou quoi les amis? Regardez. Regardez un petit peu la hauteur du bordel. J'ai pas réussi à sauter. La selle, elle va sauter. Ah, je vais sauter aussi. Gérard, prends les véhicules. Bon, les amis, moi, là, j'ai fait le show. Là, on va passer sur la version MX Track. C'est une moto qui marche. C'est tout rien, c'est on-off. Oh, le bruit. Oh, le bruit, les mecs, cette moto, ça fait un boucan. Enfin, il est beau le bruit, mais tu vois, ça fait pas trop parce qu'avec laine de roche changée, c'est un truc de fou. Voilà, c'est une petite moto, je me suis fait un petit kiff, j'en ai pas eu quand j'étais petit. Je voulais voir à quoi ça ressemblait parce que, en vrai, quand t'es petit, rouler avec ça, c'est être suicidaire. Ou je sais pas s'il revient, mais là, j'entends une moto arriver. Vas-y, fais-moi un départ. Ça lève tout seul. T'as essayé de faire quoi là, poteau? Bah, de faire un départ, sauf que. Ah, je me suis arraché le dos. Eh, hey, la moto, il voulait pas la lâcher, frérot. Il a dit: eh, hey, j'ai passé 2 jours, c'est mort, je la lâche pas, je la lâcherai pas. Jusqu'au bout. Si la selle, elle va déconcentrer. Allez, Ampec. Si elle est pas épave là, merguez. En vrai, un deux temps qui roule, c'est toujours satisfaisant. C'est pour ça que pour ma prochaine moto, j'hésite. 2 temps, 4 temps. Je sais que pour vous, vous voulez du 2 temps. Moi, je veux du 4 temps. Mais pour une vidéo, c'est rien de mieux qu'un bon son, un bon micro et du bon 2 temps. Allez, sur ce, le test GoPro. Oh là, on passe où? Oh, les ornières! Puis en plus, avec les petits trous, ça peut vite partir, mais c'est grave efficace. Roulez. Oh, et puis ça lève tout seul! Après, je pensais parce qu'on est grand, je suis fort sur l'arrière, mais quand même, c'est abusé. Oui. Oh,
Ouais, puis les ornières ici. Oui, oui. Oh la selle, oh la selle, oh la selle, oh la selle. C'était ça le problème. Hop là. Il faut la fixer. Parce que vous voyez, il manquait un peu la fixation. Ça filme toujours. Oh, ça allait vraiment tout seul, c'est abusé. Wow, 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 il pleut, il pleut. Attends, je laisse, c'est bon. Oui. Wow. En vrai, ça sonne bien. Ouais, par contre, là, tu vois, je suis prêt. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu. Vous avez vu, la petite chute, parce que ça marche vraiment très très fort. Dites-moi si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos avec ce bolide, peut-être une VMAX ou un comparatif avec une autre moto, une 50, pourquoi pas, parce que je suis sûr que franchement, ça a ses chances. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à venir sur mon Instagram et à vous abonner à la chaîne. C'était Loé Lucas, salut mec, ciao.